Coucou tout le monde, comme vous avez pu le voir, on se retrouve encore sur une autre vidéo d'analyse sur les patterns d'un boss. On est sur Yuji. Ma foi, je suis en train de faire éclater. Alors méfiez-vous, là il va être un peu plus dur à analyser parce qu'il pique un peu plus que le boss précédent quand même. Je rappelle que c'est une mission où on enchaîne, il me semble de mémoire, trois boss. Le premier, celui-ci qui sera sur deux faces. Bon, trois boss façon de parler, hein, c'est deux faces quoi. En gros. Donc comme tu peux le voir, il aura tendance à trocher avec une belle petite attaque, magnifique d'ailleurs je trouve, bel aspect. Et c'est sur lui d'ailleurs que j'ai eu mon épée dont je me posais la question. J'en ai bien l'impression parce qu'elle y ressemble beaucoup. Donc il aura tendance à trocher avec. Là tu fais une belle attaque, pareil sur attaque critique comme tu as pu le voir. Il aura tendance à trocher en ligne droite, soit faire un saut en l'air et faire un plonge à distance pour te faire un critique là aussi. Tu fais gaffe là aussi à son attaque à distance, pareil, je crois qu'il est en critique. Il envoie aussi, il a la capacité d'envoyer, de dupliquer son arme pour l'envoyer. Alors, dupliquer, comment je pourrais dire ça? Disons qu'il la clone. Le nombre est assez variable, il te les envoie à distance. Du coup, je confirme, l'arme qui m'intéressait beaucoup hier, c'est bien sur lui que j'ai dû l'avoir, parce qu'il l'utilise. Donc c'est son arme. Je crois que j'ai trouvé la mission, je l'ai eu. Alors fais gaffe à l'attaque. Sauf quand on se loupe. La petite chape. Au corps à corps en critique. Comme tu l'as remarqué, il t'envoie des attaques de poison. Espèce de boule un peu chelou là. Font des zigzags et qui vont se poser au sol comme des ailes. Enfin, sur des petites zones. Tu as pu le voir aussi qu'il utilise l'élémentaire. Tu as tendance à te faire sortir 3 fois à 4 fois de suite. Là, tu peux le voir du sol, dans la pierre. Ce qui peut faire beaucoup de dégâts, donc fais attention là aussi. Pareil, encore un critique avec la chope au bout. Donc, c'est la distance. Armistice aussi, bah c'est un boss qui est capable de remplir très vite sa jauge d'endurance du côté bleu, donc au positif. Et à partir de là, ça devient un peu chiant pour essayer de l'avoir. Il renvoie ses épées, une fois de plus. Quand il en invoque plusieurs. Allez, encore une des aveux. 4 de suite. Ces petits coups normaux d'épée au corps à corps. Faut pas de figure par rapport à tout ce qu'il envoie. Le petit tournoiement avec son épée. C'est plutôt joli là aussi, je trouve. Franchement, j'adore. Donc il s'envole pour aller tournoyer après sur toi. Alors ça, fait gaffe, esquivant. Parce que sinon, tu vas prendre cher si tu te fais toucher. Les blocs de glace qui envoient à distance. Et mes footers, comme tu peux le voir, c'est pas encore fini que du coup. Il t'envoie déjà une autre attaque en même temps, donc il faut que tu arrives à gérer les deux. Le petit tournoiement, comme tu as pu le voir, il arrive à une espèce de tourbillon là pour me planter. Donc certainement une chope au bout, alors une attaque, j'ai pas fait gaffe, comme je ne suis pas fait choper. Bon, ça, hein, tu peux la stopper comme tu as pu le voir, mais bon, ne te fais surtout pas toucher. C'est un moyen de la piquer bien comme il faut. Alors là c'est volontaire, hein. Je le laisse un peu toucher pour voir un petit peu tout ça, de toute façon on recommencera au propre après. Il reste vraiment à distance pour montrer tout ce qu'il peut envoyer. Donc encore les stéréotypes là. Donc l'attaque au bout. La petite téléportation qui va avec. Quand t'as pu le voir, il est capable de stepper du coup juste devant toi, ça fait toujours plaisir. La petite chope, tu fais gaffe, tu peux enchaîner un peu derrière. Mais bon, tu peux voir aussi que du coup il aura tendance à sortir deux critiques à la suite comme certains boss, pas systématiquement chez lui, mais il a tendance. Pareil, encore les pics de glace. De série, attaque au sol,
Hop là. Allez, mange. Alors, on va se laisser tuer, histoire d'en montrer un peu plus. Alors, du coup, tiens, on m'a encore posé la question hier, justement, sur une autre vidéo de boss que j'avais faite hein, pour montrer les patterns, tout ça. Non, non, hein, c'est du direct, hein, je précise, hein, c'est pas enregistré et commenté après. Hein. Là, tu vois, alors, regarde, je te fais bouger l'épée. Hein. Non, c'est du direct, hein, toujours. On est sur PlayStation, je le fais passer avec du montage, avec le PC, etc. Ça, c'est tellement rare, ça arrive une fois tous les 6 mois, tu sais, et encore. Hop là, allez go. Bon, une fois que tu le maîtrises, la première fois c'est comme d'habitude, il va être un peu compliqué le temps que tu vois un peu tous ces patterns. Et au final, une fois que tu le maîtrises, tu peux voir, tu peux contrer énormément de ses coups assez aisément sans trop de difficultés. Après, le plus chiant va être plutôt lui de le toucher parce qu'il bouge beaucoup, il a tendance à beaucoup reculer, beaucoup à s'envoler. Et c'est le côté un peu plus chiant de ce boss. Tu vois, tu peux stopper parfois certains de ses coups. Bon, faut le toucher. Oh, le petit coup de foot que j'avais pas encore vu. Bon, bah, tu peux voir, il envoie aussi des attaques de foudre. Hein. Corps à corps. Dans toutes les directions, du coup. Le petit coup d'épée qui l'enchaîne, le petit critique qui l'enchaîne. Comme un lâche. Tu vois, c'est ce que je disais. Il bouge beaucoup. Hein. Là je préfère faire une double roulade parce que du coup, comme si je saute dessus ça va être compliqué. Tu profites, hein, le laisse pas s'échapper. Tiens, quitte à prendre un petit coup, tu vois, tu t'en fous. Ne bouffe pas trop tous tes soins, n'oublie pas, après il se transforme, il y a une deuxième phase. Parce que ce mec est un sale lâche, hein, qui préfère faire la salope au lieu de s'avouer vaincu. Ouais, c'est méchant. C'est un méchant autant. Je sais plus. Ouais, je pensais que j'ai atteint. Hop, allez, mange. Ça pique, hein. Ah, tu vois, je confirme. J'ai eu sa même épée bien sur lui. Bon, bah, impeccable. Alors, deuxième phase. Là tu le vois pas, entre temps il y a une cinématique où cet enfoiré va chercher son petit dragonnet et puis en gros il fusionne avec. Donc là on a l'incarnation du petit démoniaque. Bref. Et bah je vais tout enchaîner avec parce que du coup bah, sinon c'est pas drôle. Non je déconne, je vais couper puis on va regarder ça. Le problème c'est que si je meurs, je sais pas quand est-ce, enfin quel passage ça va reprendre si c'est vraiment tout début. Bon, je vais couper là. Du coup, je vous dis à plus et je vais refaire ça en vidéo séparée parce que sinon ça sera trop long. Surtout pour le titre de la vidéo en fait. Allez, ciao tout le monde.